filles, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la Glossy Box du mois d'avril. Donc elle se présente encore rose pastel genre laqué, j'aime beaucoup. J'avoue, j'avais un peu peur quand j'ai vu certaines vidéos. C'est vrai qu'on n'en voit plus tellement de vidéos par rapport au tout début du lancement des box. On n'en voit plus beaucoup, mais on a... J'ai regardé notamment la vidéo de l'Odess Makeup et je trouvais ce qu'elle avait reçu, c'était pas terrible. Mais moi j'ai reçu d'autres produits, donc j'en suis assez satisfaite. Mais je vais vous montrer. D'abord on a reçu ça et on a 40% sur le coffret en édition limitée Fête des Mères à 17,40 au lieu de 29 €. Je ne sais pas si c'est encore valable. C'est avec le code Glossy Maman. Mais moi j'avais déjà fait avec le code Glossy Maman. Donc j'attends de la recevoir. Je sais qu'elle est super. Les produits sont super. Déjà la boîte est jolie. Et moi j'attends. Je vais la recevoir bientôt, j'espère. Mais est-ce que le code est toujours valable et est-ce qu'il est encore en stock? Ça, je ne saurais pas vous dire. Moi, ça fait super longtemps que j'ai commandé. Je ne l'ai pas encore reçu. Et là, on a une genre de petite carte. Bonne fête, maman. Je t'aime parce que... Avec des cases que vous pouvez remplir. Tu fais le meilleur gâteau au chocolat du monde. Tu me prêtes tes vêtements. Tu es et tu seras toujours là pour moi. Tu me connais par cœur. Si vous voulez, ouais. Vous avez le genre de petit magazine que j'ai déjà lu. Perso, il y a beaucoup de choses de mode. Comme ceci. Après, il vous présente le nouveau blush Check Pop de Clinique à 24 €. Il a l'air sympa. Après, il y a beaucoup de... Ouais, c'est beaucoup sur la mode. Et j'aime bien, là on a une interview. Mais ce qui m'a fait craquer, c'est surtout le petit chien. Je sais pas ce que c'est comme race. Moi, ça me fait penser à un Pékinois. Ma grand-mère, elle avait un Pékinois comme un Pékinois dans le temps. Il était assez méchant avec les personnes qui venaient. Mais en fait, elle était toute douce. Je la prenais dans mes bras. J'avais après à faire des bisous sur le nez. Je trouve trop mimi le petit chien. Et... Bon, et après vous avez ceci, les coups de cœur sur le mascara, les produits solaires Lancaster, le mascara Make Up For Ever, la laque à lèvres gloss de chez Sephora, genre tu vas essayer, bref, voilà. Vous avez la boîte, j'ai ouvert mais j'ai remis le petit meneur. Vous avez au fil du printemps, ça c'est le menu. Alors j'allais dans l'ordre du menu. Être belle, exfoliant pour les lèvres, full size 15 ml, 12,95 €. Et on a le full size. Alors ils nous disent, cet exfoliant doux pour les lèvres élimine doucement les peaux mortes et affine la surface de la peau. Bon, ça c'est cool, un exfoliant pour les lèvres, je trouve c'est sympa. Gommage lip lift lifting peeling, enfin c'est un gommage pour les lèvres. Moi j'en ai encore celui de un genre comme ceci que j'ai eu dans, que j'ai commandé sur le site Look Beauty, qui est pas mal. Donc j'utiliserai celui-ci ensuite. Ça c'est sympa déjà, je trouve. Ensuite, Dermeis, c'est une marque que je connais pas.
full size 37,90 et j'ai eu le full size. C'est un produit qui est super sympa. Stylo touche éclat. Ce correcteur illuminateur apportera la touche d'éclat qui réveillera votre teint. Je regarde si ça filme. Il élimine les cernes estompées, première ridule du contour de l'œil, tout en vous donnant une mine reposée en illuminant le regard. Donc là c'est le packaging. Je vais garder pour vous, enfin pour vous montrer. Et là vous avez le stylo. C'est un stylo qu'on appuie dessus pour faire sortir le produit. Il faut appuyer plusieurs fois pour faire sortir. Voilà. J'avoue que j'ai appuyé, et puis après tout sort d'un seul coup. Vous verrez, attention. Hein. Voilà, c'est comme une touche éclat. Enfin, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est génial. C'est trop cool, j'adore. ensuite, encore un super produit. C'est pas un full size, mais c'est un super produit. Ça a l'air d'être un super produit. Dr. Brandt, le full size de 30 grammes vaut 39€. Et là, j'ai eu 7,5 grammes. Nouveau soin CC Glow with signature Ruby Crystal. Nouveau soin dans la gamme Cult Glow de Dr. Brandt. Dr. Brandt, cette crème correctrice et perfectrice tout en un comprend un complexe puissant de micro-cristaux de rubis et de vitamine C stabilisée. Ainsi, la peau se fait lumineuse, radieuse, unifiée et d'apparence plus jeune. Donc, c'est un genre illumine, anti-âge, SPF 30. Mais ils nous disent quand même de faire. Je comprends pas parce qu'il y a un SPF 30. Hein, c'est sur ce produit-là. Hein. Et ils nous disent de faire attention, pas être. Je vais vous lire, de pas rester au soleil. D'abord, je vais vous montrer. Il n'est pas rempli, il doit être là, à peu près le niveau. Mais bon, il y a quand même de quoi faire. Ah ouais, si je ne le mélange pas, ça va pas aller. On a du transparent. Je vais regarder si je peux vous montrer quelque chose. Il faut bien mélanger avant parce que sinon vous avez que du transparent qui sort. Est-ce que vous allez voir? Ah ben il n'y en a pas beaucoup dedans. Hein. Alors, tu vas sortir. Ouais, c'est chelou un peu le truc. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Regardez, vous avez le transparent qui sort en même temps. Et où est-ce que ça donne? Je sais pas si vous voyez un peu. Il faut vraiment bien mélanger. C'est super léger. Hein. Et on n'a pas beaucoup, je dirais qu'on n'a même pas la moitié dedans. Mais bon. Ouais. Je pense qu'il doit être là à peu près. Même pas la moitié. Mais bon, c'est sympa. Et je vais vous dire ce qu'ils nous disent là-dessus. Parce qu'on a eu l'un dedans. J'ai fait tout à l'envers. Alors. Crème correction teint illuminatrice. Dr. Brand recommande. Bien agité. Oui. Ça, je n'avais pas capté. Je l'ai lu pourtant, mais je n'ai pas fait attention. Hein. Bien agité avant utilisation. Appliquez uniformément sur le visage. Massez vers l'extérieur du bout des doigts pour une couvrance uniforme. À utiliser seul ou avec du maquillage. Et ils nous disent attention, pourtant il y a un effet
SPF 30, ils nous disent attention, ne restez pas trop longtemps au soleil, même si vous utilisez un produit de protection solaire. La surexposition au soleil est une menace sérieuse pour la santé. Appliquez le produit de protection solaire avant de vous exposer au soleil. Renouvelez fréquemment l'application pour maintenir la protection, surtout après avoir transpiré, avoir nagé et vous êtes essuyé. Je sais pas pourquoi ils nous disent attention, attention, attention. Parce que à lire ça, on dirait que c'est pas compatible avec le soleil, quoi. Alors qu'il y a un SPF 30. Donc, bref. Ouais. Je vous dis, il faut bien mélanger si vous l'avez, parce que, ouais. Moi, j'ai pas vu, et ça se décompose. Voilà. On a quand même qu'une petite moitié, je trouve, que pour... ils pourraient vraiment remplir comme il faut, quoi. Ou alors, ils nous mettent que... Ils nous mettent que le packaging à la moitié, et le... mettre plus petit, je sais pas, mais bref. Mais bon, je suis content de l'avoir vu aussi. Ensuite, un truc que c'est un peu un ovni, je trouve. Je sais pas ce qu'elle me fait, ma caméra. Biosécure, déodorant pierre d'alin bergamote. Le déodorant pierre d'alin, avec son agréable parfum bergamote, combat efficacement les mauvaises odeurs pendant 24 heures, full size. 50 ml, 6,50 €. Quand c'était la box spéciale, les essentiels que j'aimais beaucoup, qui d'ailleurs ils ne font plus, j'aurais dit oui, bien sûr, c'est un essentiel. Mais là, c'est censé être une box beauté. Je trouve pas qu'un déo, ça a vraiment sa place. En plus, c'est spécial, l'odeur de bergamote. Je trouve pas ce que ça vient faire là. Mais bon. Ensuite, on a un savon. Ça, c'est pareil, un savon, je vois pas ce que ça fait là. La société parisienne de savon. Alors, les chats, arrêtez de vous battre. Savon invité. Soigneusement emballé dans un écrin à la main. Découvrez un savon précieux enveloppé d'un plissé soleil, lui permettant de conserver toute sa fraîcheur et son parfum unique. Full size 100 grammes, 10 €. Alors, moi j'ai celui à la violette de Parme. Ça sent fort, hein. Ça se présente dans une boîte comme ça. Ça sent super fort. Le bonbon à la violette. Mais ça sent pas mauvais. Je pense que je vais le mettre dans ma salle de bain. Pour embaumer un peu ma salle de bain, ça va en sentir bon. La violette de Parme. Retrouvez l'émotion d'une senteur florale riche en souvenirs. Elle vous offrira douceur et élégance par le subtil mariage de la violette, de la rose et du jasmin. Sublimé par son effet poudré, laissez-vous envoûter par son caractère et son raffinement. Les maîtres savonniers de la Société parisienne des savons veillent à vous fournir des savons d'une qualité irréprochable, vous procurant une expérience de bien-être à chaque fois renouvelée. Moi, je trouve ça sent bon. Vous savez, les bonbons à la violette, là. Ouais. Pour embaumer la salle de bain, pourquoi pas, on va dire. Et ensuite, on a eu un petit tube Lancaster. J'arrive pas bien me cadrer. Bronzing Beauty. Glossy découverte ce mois-ci. La Glossy Team vous a réservé une surprise supplémentaire. Découvrez la bébé crème de Lancaster, un soin hydratant bronzant qui réveille l'éclat de votre teint et l'habille d'un bronzage sur mesure, sans soleil ni auto-bronzant, un must-have pour préparer la venue des beaux jours. Full size 50 ml, 30 €. Et on a un tout petit, un 3 ml. Oups.
Oui, on voit pas. C'est un auto-bronzant. Émulsion hydratante bronzage sur mesure. C'est censé être quoi l'auto-bronzant ça? Bébé crème. Assoie hydratant bronzant. Ouais. Faudra pas oublier de passer de lingette. Hein. Donc voilà, je suis assez longue, il me reste que 60%, pourtant c'est la première vidéo que je fais. Donc, ça je vais pouvoir jeter. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Donc, le déo, ouais, bof. Ça, un savon, ouais, c'est pas terrible, mais je trouve qu'ils sont bons. Quand même, il embaume bien, il va bien embaumer la salle de bain. Ceci, on n'a pas grand chose, mais pour tester, pourquoi pas. Celui-ci, pareil, ok, mais je trouve qu'ils auraient dû le mettre dans un conditionnement plus petit vu qu'on n'a que la moitié. Mais bon, c'est cool parce que tout le monde l'a pas reçu, ça, donc je suis super contente. Ça, excellent pour les lèvres, oui. Et celui-là, c'est le coup de cœur. Que je pense que certaines auraient bien aimé avoir. Donc voilà pour les produits. Je trouve que j'ai eu des produits sympas. Franchement, je suis contente de mes produits que j'ai reçus. De cette box-ci, de ces produits. Donc j'espère que ça vous a plu les filles. N'hésitez pas à me dire si vous avez reçu la box, si vous avez reçu des produits différents ou pas. Je vous fais plein de bisous. Au revoir les filles.